Crazy. Vous avez un skatepark juste d'ailleurs, je sais pas si vous verrez bien là. Un skatepark, un U. Vraiment à l'américaine, j'ai envie de dire. Nous sommes à North Vancouver. On se dirige du coup vers Lynn Canyon, ça, qui a l'air très 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 stylé. Et là, pour aller, pour se rendre là-bas, on marche tout le long parce qu'il y a quelques bus qui passent ici et là, mais il faut attendre assez longtemps. Comparé à la Corée, les transports publics, comme en France d'ailleurs, sont pas les plus performants, donc il faut beaucoup marcher, ou alors avoir, comme la plupart des Canadiens, une voiture. Donc on se rend tout droit, là on a juste à marcher pendant 20-30 minutes tout droit, et ensuite on va commencer à arriver dans le parc. Ah oui, à chaque fois il faut appuyer sur le tas, ils sont trop jolis les... Je vais prendre une photo. Everything is like, there's so many colors also, like in France it's not that colorful. On va se rendre à un endroit qui est assez populaire au Canada, qui permet d'y aller, de se rendre dans les coins naturels complètement fous, vraiment très 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 jolis, de façon très rapide, enfin très rapide, ça dépend où vous habitez à Vancouver, c'est assez grand. Et les maisons sont telles que... Oh, les E4. Les maisons que vous pouvez imaginer dans les films à l'américaine, quoi. Les façades en bois, etc. Et c'est trop 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 joli, vraiment très joli. Ça a l'air d'être des endroits assez sympas pour grandir, avec la nature que vous avez autour, toutes les montagnes que vous pouvez voir derrière moi en fond. On va aller voir de plus près de toute façon. C'est trop 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 joli. Good everything. Ice cream, samosa, pizza, barbecue, chicken, and a lot of good sweet stuff. I didn't know I missed that so much. Yeah. But to be honest, if there was a bagel, I would have taken it. That's crazy. It's dangerous, so be careful. So beautiful. Crazy. Wow. I didn't see that. He didn't tell me. Oh, c'est trop joli. Oh, magnifique. Looks like paradise, like a small. I would have a camp here. On va quand même sortir le Hasselblad. J'ai des petites pellicules avec moi. Je pense que pour ce voyage, je vais principalement faire des poses longues. J'ai quand même acheté, là, dans un magasin à Beaufoto, ça s'appelle. J'ai quand même acheté de la Portra 400 pour, je pense, une vidéo qui arrivera plus tard, je pense, sur les ferries qu'on va prendre, histoire d'avoir de pouvoir prendre des photos à main levée, etc. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur la Hectare 100. Pellicule que j'ai déjà faite, il me semble. Non, j'avais fait la E-Hectachrome 100. Je crois sur le 35 mm, et là en 120 mm, c'est la première fois que je vais faire la Hectare 100 ISO. Comme ça, je pense que je vais surtout faire des poses longues, histoire d'avoir de belles photos de la nature et un joli soleil. Il y a des jolies mousses de partout, ça risque d'être très joli. You can throw plastic anywhere, right? No, don't
do that, French people. I mean, in Paris, maybe people do, the bad people. I don't. J'ai essayé de m'exposer sur les ombres, prendre des coins qui sont pas trop contrastés, histoire d'avoir des beaux détails. Je vais poser ça sur le trépied. Et il n'y a plus qu'à. Ces arbres, il y a un espèce d'éclaircida avec le soleil qui vient. Je vais essayer de faire la mise au point sur les premières branches là, avec la seblade qui est juste ici. Et normalement, je devrais réussir avec quelque chose de plutôt sympa. Juste que je fasse la mise au point correctement sur le devant. Mais je suis à F22, donc je devrais être plutôt pas mal en vrai. You want to scare bird? Bear. Donc là, j'ai mis le retardateur. Je vais bloquer le miroir, comme ça il n'y aura pas de problème. Et ça va pouvoir prendre une photo de 1 seconde sans bouger d'un iota. Attends. 1 seconde. Oui, c'est québécois. Oui. Yeah, they were speaking French but with the accent. Ok, on est bon? Should be fine. Stop. I saw you through the screen. You were angry. C'est cliché à dire, hein, mais regardez ça encore là. On est vraiment une... Vous savez, les forêts qu'on voit dans les films de, où il y a des dinosaures, etc. C'est vraiment magnifique, il y a de la mousse de partout. C'est vraiment ce que j'aime dans ces endroits. Puis toutes les fougères, hein, j'adore les fougères aussi, mais... Le nombre que vous avez là, incroyable, c'est trop joli. Et la mousse sur les arbres, sur les branches et tout là, vraiment, vraiment magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment ce que j'aime dans les endroits plus nordiques, c'est que du coup, bah, il pleut plus. Et la nature est beaucoup plus vivante, on va dire. C'est un plaisir, c'est vraiment magnifique, le jeu magnifique. Oh, ces arbres. On a vu des photos d'un photographe, il y a pas longtemps, qui a pris en photo une branche avec de la mousse, mais énorme de chez énorme. C'est exactement ce genre de truc, mais en beaucoup plus gros, quoi. Il y a des photos à faire de partout, j'ai peur de me rater aussi. Ça peut être super joli aussi, en ayant un tout petit cadre avec le 150 mm, là, qui prend en contre-jour. Your face every time I point the camera at you. It's pretty well. I jump. Hello, you. Well, on est de retour sur la grande rue. Il y a toutes les maisons un petit peu de riches et tout là qui sont vraiment, vraiment pas mal, qui donnent très envie. Malheureusement, on n'a pas trop eu le temps, mais c'est un très très bon teaser pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Où on va aller beaucoup plus à l'ouest de Vancouver, sur Vancouver Island entre autres. Donc vraiment voir la campagne, là c'était un lieu on va dire touristique. Là ça a été la parfaite occasion de m'entraîner sur l'hectare 100. Il me reste encore d'ailleurs 2 photos à faire dessus. Et c'est 2 photos que j'ai complètement ratées. Je voulais m'inspirer d'un des youtubeurs que j'aime beaucoup sur YouTube qui fait que de l'argentique et j'adore le travail qu'il fait. Il m'a d'ailleurs été recommandé par Jonathan Bertin et je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Et il a fait une série de photos de nuit qui est absolument magnifique. Je voulais essayer de m'en inspirer pour comprendre le côté technique de la photo de nuit à l'argentique et je vous avoue que ça a été un petit échec. Je pense que les photos ne sont pas exploitables, ça m'en fait néanmoins de bons souvenirs, mais ça sera une expérience à retenter. D'ailleurs, vous avez vu le nouveau studio? Je pense que je vais pas mal m'en servir pour les prochaines vidéos. Bon, retour à la vidéo. J'en ai fait, je crois, 2-3 en dehors de la forêt, donc vous aurez des choses un peu différentes que je vais vous montrer maintenant. Mais très joli, en tout cas ça donne un très bon teaser pour la suite. Faut absolument venir ici, de toute façon il y a encore plein d'autres endroits que j'ai pas vu, qu'on n'a pas le temps de visiter parce qu'on est resté la queue
deux jours et demi environ. Maintenant, on va passer à la campagne. Et ça va être d'autant plus intéressant. Donc pensez bien à vous abonner. Moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.